Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, pour les Sagittaires, mars 2023. Donc on va prendre un message. Nous avons ancrez-vous à la terre. Alors ici on vous dit empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Donc pour ce mois de mars, on vous invite à vous ancrer par rapport aux énergies qui vous entourent. Ça peut être en lien avec la nature, avec les animaux. En tout cas, il y a ici une position qui va vous permettre de retrouver un alignement dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Féri, le Normand. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et on a la carte du chien. Alors, ici, on a une énergie masculine qui ressort, qui va représenter l'homme le plus proche de vous. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Ici, on nous parle de complicité, on nous parle de loyauté également. Il peut y avoir une amitié ou une personne sur qui vous pouvez compter pour ce mois de mars. Donc, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les messages qui ressortent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop là! Alors, je vais positionner les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre. Donc, l'encre va nous parler de stabilité, mais ça représente aussi un attachement que vous avez envers un projet, envers une personne. En tout cas, ici, on nous indique quelque chose qui est durable et qui va évoluer dans le temps. On a la consultante et on a le consultant. Donc là, ça peut représenter votre lien avec une personne proche de vous. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. En tout cas, il est question de quelque chose qui va s'ancrer et qui va pouvoir évoluer dans le temps. Alors, nous avons la carte des nuages. On a la carte de la tour. On a les souris. On a la croix. On a le cavalier, l'enfant et le chien. La lettre, la faux, les poissons, le cercueil et le mont, le trèfle, la lune et enfin nous avons la carte du livre. Alors ici on voit qu'actuellement il y a peut-être des doutes et des incertitudes qui sont présentes concernant un nouveau départ. En tout cas pour ce mois de mars, il va y avoir une amitié ou un lien qui va évoluer de plus en plus. Il peut être question de quelque chose qui est solide et qui est durable dans le temps. On a également un petit peu de stress ici. On voit des contrariétés qui sont présentes par rapport à une épreuve, par rapport à un poids que vous portez sur vos épaules. Le cavalier nous indique des nouvelles. Ça peut être également une personne qui va vous rendre visite. Il est question pour vous de prendre des décisions importantes pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et pour ce mois, on a également les poissons qui vont nous montrer que vous allez avoir envie de prendre votre indépendance, peut-être aussi de mettre en place un projet indépendant. En tout cas, il va y avoir de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration et des projets qui vont être importants pour vous. On a également ici une libération des blocages. On voit que vous allez tourner une page dans une situation par rapport à une période d'attente. Et on nous indique une chance, une opportunité qui va arriver pour vous. Principalement ici, des écrits, un message qui vont vous porter chance. Il peut y avoir aussi des SMS, il peut y avoir des communications avec une personne, avec un ami, une amie ou une personne de votre entourage avec qui justement il va y avoir des changements importants.
On a aussi la lune et le livre. Donc ici, on nous parle de révélation et d'éclaircissement. On peut nous indiquer justement qu'il va y avoir un secret qui va être révélé, quelque chose qui pouvait justement créer des blocages ou une épreuve dans votre vie. Et vous allez en tout cas recevoir des éclaircissements par rapport à ça. On a aussi énormément d'intuitions, énormément de ressentis qui vont vous guider pour pouvoir récolter toutes les énergies que vous avez mises en place. On nous parle également ici d'une nouvelle énergie dans un lien. Donc encore une fois, il peut y avoir un nouveau départ dans une amitié. On a vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous. Mais on nous indique aussi un nouveau projet. Il peut être question d'un partenariat, d'une association qui va permettre à une situation d'évoluer et d'être durable dans le temps. On a peut-être aussi une attente par rapport à un courrier. Peut-être que vous attendez des nouvelles écrites qui pourront vous permettre par la suite de prendre de nouvelles décisions. En tout cas, par rapport à ces nouvelles, ça peut concerner une épreuve qui a été présente, qui peut encore être présente actuellement. On a un message, une information que vous pouvez déjà pressentir à l'intérieur de vous par rapport à ces nouvelles écrites. On a également ici des démarches par rapport à un établissement. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse de la part d'une structure. Ça crée un petit peu de stress à l'intérieur de vous. Mais on voit bien ici des nouvelles rapides qui arrivent pour vous. Ça peut être en lien avec un établissement administratif, une structure dans laquelle vous êtes relié. En tout cas, on a des informations qui vont justement vous permettre ici de saisir une chance, de saisir une opportunité. On a également ici un soutien de la part d'un ami ou d'une personne de votre entourage. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez énormément communiquer, échanger. Et c'est une personne qui va vous aider à vous libérer d'une période de stress et d'inquiétude. En tout cas, par rapport à ces doutes, peut-être par rapport à cette situation qui est floue actuellement, ce n'est que passager, puisque les nuages ne durent pas dans le temps. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, voir les choses sous un autre angle et pouvoir vraiment avancer dans vos projets. Il est question également d'informations par rapport à des projets que vous allez pouvoir mettre en place. Peut-être effectivement un projet indépendant. En tout cas, on voit un désir d'indépendance et par rapport à ça, vous avez envie de faire bouger certaines choses, de modifier peut-être une situation. On nous parle aussi d'un message par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. On a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort comme énergie. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la progression. Ici, on a une relation amoureuse qui évolue. On peut nous parler aussi d'un avancement au niveau des sentiments. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'élever. Mais on nous indique également un projet de cœur dans lequel il va y avoir une progression importante. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et il va y avoir un avancement par rapport à ce qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'une évolution amoureuse. Globalement, ici, on a une situation qui progresse. Alors, on va regarder les messages. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a le téléphone. Ici, on nous parle d'un coup de fil, d'un appel qui va être important pour vous. Il peut y avoir aussi une communication dans laquelle vous allez recevoir des messages. Alors, on a la carte de la clé, on a l'amitié, on a la carte VRP, on a le H, on a le lit, on a la réceptivité et on a la carte de la vipère. Ici, on a des solutions qui arrivent. Peut-être grâce à l'aide d'une personne, il y a quelque chose qui va progresser, qui va pouvoir avancer pour vous. On a aussi la carte VRP qui nous parle de stabilité au niveau professionnel, mais aussi au niveau financier. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie, un apaisement dans vos projets. Et il est question également de repos, d'un temps de pause.
On peut nous parler aussi d'un ressourcement qui va vous permettre de recevoir les messages importants. Ici, on nous parle d'intuition, de réceptivité. Et on a aussi ici peut-être une personne autour de vous qui est envieuse, qui est jalouse. Donc par rapport à ça, vous allez recevoir des informations. Vous allez pouvoir trouver des solutions dans vos projets et retrouver une harmonie dans tout ce que vous vivez. Il peut être question ici d'une association, d'un partenariat qui va être bénéfique pour vous. En tout cas, on a un soutien, on a une aide qui vous est apportée, mais aussi vous trouvez des solutions par rapport au blocage qui pouvait être présent. Ici, on a vraiment quelque chose qui est en lien avec vos émotions, votre sensibilité. On voit que vous allez vous sentir guidé par rapport à ces énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser le tarot et d'abord, on va utiliser cet oracle pour voir ce qui ressort. Donc, au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte douceur et tendresse. Et nous avons le contretemps. Alors ici, on nous parle de moments de partage, de moments de tendresse entre vous et la personne de votre cœur. Pardon les amis. Mais il est question aussi d'un temps de pause. Peut-être que vous allez réfléchir, vous allez faire le point et vous allez retrouver vraiment un équilibre dans votre relation, mais aussi dans votre vie amoureuse. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, au dos du jeu, nous avons le vent du changement qui nous parle de renouveau, métamorphose et modification. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va se transformer, un renouveau important dans votre vie amoureuse. Alors, on a le badinage, on a la solitude, on a la méchanceté, prendre de la hauteur, l'infidélité, la rupture, les doutes, le succès total et on a la carte de l'union. Alors ici, on nous parle d'une période de flirt où vous allez apprendre à découvrir la personne de votre cœur ou vous redécouvrir avec cette personne. On peut nous indiquer qu'il y a une solitude actuellement ou un isolement que vous ressentez en vous. Cette énergie peut être en lien avec de la jalousie qui est présente autour de votre vie amoureuse ou autour de votre relation. Par rapport à ces énergies, vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir prendre de la distance avec certaines énergies pour vraiment couper avec une situation qui vous bloquait. On nous parle aussi de tentation. Il peut y avoir une tentation amoureuse. En tout cas, il est question pour vous de vous libérer de certaines énergies pour pouvoir avancer. On a aussi des doutes et des questionnements qui sont présents. Et ici, on a un succès total. On nous parle de réussite, d'accomplissement et on nous parle aussi d'engagement. Ça peut être en lien avec une personne avec qui il y a déjà eu une séparation ou une personne avec qui il y a eu des blocages qui étaient présents. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte du 7 de denier et nous avons le 4 d'épée. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une phase de guérison. On voit que c'est quelqu'un qui recherche à trouver un équilibre, une stabilité. Il peut y avoir aussi un temps pour soi, le fait que cette personne va prendre soin de ses énergies. Le 7 de denier nous indique que cette personne attend de récolter le fruit de ses efforts. Ça peut être aussi une certaine fatigue, un surmenage qui est présent et on nous parle aussi de repos. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la roue de fortune et nous avons le roi de bâton. Alors dans votre état d'esprit ici, on a un nouveau cycle. On a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place très rapidement, avec un désir pour vous de préparer des projets pour le futur. En tout cas, vous êtes en pleine préparation de changements que vous souhaitez mettre en place. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, nous avons le 10 de coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons le valet de bâton.
Pour les personnes qui sont célibataires, ici, on nous parle de profondeur. On peut nous indiquer une nouvelle relation avec une construction importante, des projets en commun. Avec la grande prêtresse ici, ça peut être quelqu'un qui est très mystérieux, mais ça peut aussi représenter vos énergies. Le valet de bâton ici nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez avoir énormément d'intuition et de clairvoyance par rapport à ce nouveau départ qui va se mettre en place pour vous. Mais il est question aussi de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 2 d'épée, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, il y a peut-être eu des blessures ou des choses qui étaient cachées. En tout cas, avec le 2 d'épée, on voit qu'il peut y avoir une situation qui est floue actuellement, mais aussi une certaine indécision qui est présente. Le 7 de deniers ici nous indique que vous vous protégez intérieurement de toutes les énergies qui sont autour de vous dans votre vie amoureuse. Et le 2 de bâton nous indique que vous allez vous projeter, vous allez mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Mais il y a aussi des préparatifs, des projets que vous allez mettre en place avec la personne de votre cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la justice, nous avons le 9 de coupe et nous avons la carte de la mort. Pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir une transformation dans votre relation. Il y a un cycle qui se termine pour commencer de nouveaux projets. Avec la justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle aussi d'engagement. C'est le fait d'officialiser votre relation. Le 9 de coupe ici nous parle d'un souhait qui va se réaliser, un souhait exaucé pour vous. Et la mort, c'est une libération par rapport à certaines énergies du passé qui pouvaient vous bloquer dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir, les amis, on va voir aussi le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, quel est le message de l'oracle amour universel pour vous? Nous avons mémoire dorée. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Alors, on vous dit « Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment ». Ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc ici, avec cette carte qui ressort, on vous indique qu'il y a une personne qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous envoie également des messages, des signes par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2023, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.